Vous pouvez venir là si vous voulez. It's not good velvet. Why is it fuzzy? Da? Da. Look, funny move. Yes. Charlie Chaplin. What? Lala. They make holes. Versé dans l'écume, le lait reçoit la présure. Il est alors chauffé à 30 degrés. Tous les équipements de la laiterie ont été conçus pour garantir le plus haut niveau d'hygiène, sans que les caractéristiques du fromage en soient modifiées. Ainsi, le lait est régulièrement contrôlé dans le laboratoire de la laiterie. Deux heures plus tard, le lait s'est transformé en caillé. À l'aide d'une lyre parfaitement calibrée, ce caillé est tranché de manière à obtenir de petits cubes. Ces mouvements sont les mêmes que ceux exécutés jadis.
le fromager de papillon a su les observer, les étudier et les analyser. C'est ainsi qu'ont été mis au point des matériels qui effectuent aujourd'hui scrupuleusement les mêmes gestes. Vient le moment le plus important de l'élaboration du roquefort. C'est avec le pénicillium roqueforti que l'on ensemence le cahier. Il donnera à papillon son goût et ses marbrures caractéristiques. Il est temps à présent de le mettre en bouche. Ensuite, baby, on le laisse égoutter pendant 2 jours en le retournant régulièrement. Une fois égoutté, le fromage est salé. 3 jours sur une face et 2 jours sur l'autre. Puis il faut le percer de part en part, car le pénicillium roqueforti a besoin d'air pour bien se développer à l'intérieur du fromage. Il peut maintenant, et maintenant seulement, maintenir une humidité de 98% et une température de 10 à 11 degrés, le fromage ne se desséchera pas. On veillera à ce que l'on place le coup de roquefort très régulièrement. Au bout de 3 semaines, on peut juger de la vitalité du pénicillium roqueforti. Le roquefort est alors plié sous feuille d'étain. Ainsi protégé, il restera exempt de croûte. Mais il faudra encore du temps au roquefort papillon pour parvenir à maturité. Il séjournera au moins 3 mois dans la commune de Roquefort. Dans l'échelle d'un nouveau Roquefort, plus doux,